Il va, hein. Et prends ton temps, prends ton Non temps. mais ça y est, c'est parti, On n'est c'est pas parti. Donc pressé. nous sommes à la moitié de la journée aujourd'hui, la deuxième journée du Social Selling Forum Lyon virtuel, puisqu'on n'est pas à l'INSEC, hein, on est tous ensemble. Là, on est une cinquantaine, et nous allons parler de prospection avec les réseaux sociaux, bien entendu, hein, puisque c'est le sujet quand même, c'est social selling, c'est pas juste la prospection dans l'absolu, mais enfin bon, en exploitant entre autres les réseaux sociaux, et notamment pendant le chaos. Et nous avons avec nous Jean-Paul Jacquet, Grégoire Pinault, et peut-être Sylvain s'il nous rejoint, sinon c'est Loïc Simon qui remplacera Sylvain au débotté, c'est moi-même, et puis les gens qui sont dans la salle avec nous, bien entendu, qui vont s'exprimer. Mathieu, si tu es avec nous, tu seras le bienvenu aussi. Etc. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Paul qui vous laisse dire bonjour ainsi qu'à Grégoire Pinault. Bonjour à Allez-y. tous. Hein. Bonjour à tous. On Je s'est t'ai déjà vu pas ce matin, dit. mais. Ouais, on était déjà ensemble ce matin, hein, Grégoire. Je pouvais pas être avec vous là maintenant, mais je suis content de voir Mathieu, de voir Georges, Philippe de Liège. Je n'avais pas vu depuis un petit bout de temps. Ça me fait très plaisir. Et puis là, il y a 49 participants en ce moment. C'est top. Hein, c'est vraiment un. J'espère que je ne vais pas vous faire fuir. Il faut juste. Il faut que je partage mon écran. Hein, c'est Là, ça, oui, alors Loïc? 2 secondes, je vais arrêter. Voilà, maintenant, Grégoire, tu te présenteras plus avant tout à l'heure. On va tout de suite donner Oui, la je me parole à présenterai plus avant tout à Jean-Paul. l'heure. Je laisse la parole. Voilà, on va passer la parole à Jean-Paul qui va nous parler de doit-on prospecter à la bourrin en ce moment? Ben Ouh, voilà. c'est très bon comme terme. Voilà, Ah, enfin, c'est pas. c'est top, c'est top. Vas-y. Je voudrais pas. Il faut que je partage mon écran d'abord, hein, c'est Ah, ça? tu cliques sur Vas-y. partager, vas-y, hein, Voilà, essaye. mais je cherche ma présentation, je la retrouve pas. Ah Attends bah une alors ça seconde. c'est... Non, 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 mais elle était là, mais elle n'y est plus. Mais elle est pas loin. Elle est pas loin. Il faut que je Bah, retrouve. elle est Il sur faut que un je la autre retrouve. écran, elle est quelque part. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver. Mais pour l'instant, affichage intervenant, non. Non, tu regardes ton écran, tu trouves ton écran, tu te mets en mode pour trouver l'écran que tu veux partager. Ben, j'avais une petite présentation de quelques diapos Oui. que j'avais mis en évidence dans un coin de mon écran et qui a disparu. Donc voilà, je ne sais plus comment on fait. Oh, ben voilà, c'est ça. Là. Hey, tout à l'heure, on a parlé de social selling en français, on parlait des agriculteurs d'ailleurs, vous voyez. Jean-Paul, lui, il travaille avec des transporteurs. Alors, la plupart de ses clients, c'est des gens qui ne sont absolument pas geeks. Et de ce fait, ils ont déteint sur toi, Jean-Paul, alors, hein? Non, c'est que c'est un secteur d'activité qui, à part les cinq ou six gros du métier, dont je tairai les noms puisque vous les connaissez tous, hein, vous voyez les noms en gros sur les camions, à part les cinq ou six très gros qui ont des moyens marketing, communication, digital, etc., etc., c'est un kaléidoscope de toutes petites entreprises, ce qui fait qu'évidemment, la digitalisation est un petit peu en retard. Je suis désolé de ne pas retrouver Alors, attends, alors ce qu'on va faire, on va faire un truc très simple. Ouais. Grégoire, est-ce que tu es prêt, Grégoire? Ouais. Bah, moi, je suis prêt, hein. Eh bien voilà, alors J'ai on va commencer préparé deux, trois petits par toi. éléments. Comme Entre-temps, ça, je vais parler de prospection en social selling. Et puis, je pense que ce sera bien que Jean-Paul, après, revienne sur les bourrins qu'on peut être de temps en temps. voilà, donc on va commencer par Grégoire. Jean-Paul, entre-temps, tu retrouves tranquillement ta présentation. Vas-y, Grégoire. Toi, c'est plutôt ma routine de prospection, notamment en temps de Covid. Oui, alors tout à fait. Alors, moi, la prospection, j'en fais pas mal depuis que je suis dans le Covid. Et c'est bien que tu m'aies mis ce sujet, Loïc, parce que ça m'a permis de regarder un peu ce que je faisais aussi. Donc, je me suis dit comment je fais pour prospecter, comment je fais pour aller chercher mes clients. Et j'ai essayé de vous écrire deux, trois slides rapides. C'est vraiment un support rapide que j'ai fait pour argumenter un petit peu mon propos. Donc je vais vous partager mon écran, si tu m'autorises. Non, mais vas-y, vas-y, mais je ne sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait une connerie, en Tu fait. vas y retrouver. Tu Tu vas retrouver. vas sortir, revenir. Ça y Voilà. est, c'est bon. C'est bon, Et je suis tant aligné pis, mon tant pis, tant écran. pis. Maintenant, c'est Grégoire. C'est Grégoire maintenant. Vas-y, Non, 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 Grégoire. mais c'est Grégoire et je l'écoute. Je suis tout ouïe, Grégoire, vas-y. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas vraiment parlé d'une routine de prospection. Seulement, j'ai remarqué qu'il y a quelques petites choses qui pouvaient être intéressantes à faire. Donc, pendant cette période de Covid, déjà, moi, je me suis dit que la période, bah, c'était une opportunité. Moi, parce que ça m'a permis de recentrer toute mon activité sur les métiers qui m'assurent un ROI, la mise en place d'un nouvel outil CRM. J'en ai profité pour commencer à relancer mes dossiers existants. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme chiffre? Je me suis dit d'abord, je vais commencer à relancer mes dossiers et suivre un petit peu mes dossiers. Donc, c'était pas mal. Et puis après, je me suis dit, bah, peut-être pas mal de se donner quelques petits objectifs. Je travaille tout seul, hein, pour info, et j'ai deux stagiaires qui sont là, qui m'écoutent. Donc, voilà. Et je me suis dit, c'est peut-être pas mal de se donner quelques petits objectifs de prospection. Alors, c'est quoi des objectifs de prospection? Bah, c'est de se dire, tous les jours, c'est de trouver un à deux leads qualifiés.
Et puis de se dire, eh ben, de rentrer dans mon outil CRM, parce que je suis quand même assez fan de ces outils-là, de trouver deux, trois opportunités par semaine. Ce n'est pas des objectifs très ambitieux, mais c'est quand même pas mal. Donc, un ou deux lead qualifiés, c'est bon. Et en fait, si on regarde sur ce moment, qu'est-ce qui est avantageux en ce moment? Les interlocuteurs sont disponibles. Donc, ça, c'est un point important. On gagne du temps. J'ai une question. Oui. Un lead qualifié, c'est quoi? Un lead qualifié, c'est pas tout à fait une opportunité. C'est qu'on s'est rendu compte que dans une entreprise, il y avait quelque chose à aller chercher, une opportunité pour travailler. Mais on n'a pas qualifié. On a qualifié parce qu'on a vu qui était le décisionnaire, quel était le besoin et quel était le calendrier. Ça, c'est un lead qualifié. Après, on va pouvoir le passer en opportunité, en se disant, j'ai rencontré mon décisionnaire, j'ai validé le circuit de décision, j'ai validé tout ça. Donc, ça fait partie du pipeline de vente, enfin, un lead où on a identifié qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, voilà. Donc, ensuite, je me suis rendu compte qu'on avait un gain de temps énorme. On en parlera tout à l'heure, mais c'est quand même assez fabuleux cette période. C'est que le fait de travailler avec Zoom et avec ces nouveaux outils, eh bien, on arrive à faire plus de rendez-vous et des rendez-vous plus qualifiés avec nos prospects. On n'a pas tant de déplacements. Et surtout, le terrain de chasse, et là, c'est vraiment important, il s'est agrandi. Et ça, c'est quelque chose de génial. Bon, la semaine dernière, j'étais avec un interlocuteur qui était à Paris. J'ai discuté, j'ai fait tout mon rendez-vous de prospection avec lui. J'ai envoyé ma propale. C'était parfait. J'ai un autre prospect sur lequel je suis sur un appel d'offres. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il est loin, je n'ai jamais rencontré, j'ai jamais rencontré. J'ai vu tout le circuit de décision, un interlocuteur à Taipei, un interlocuteur à Chicago. Sans problème. Donc ça, c'est quand même une opportunité qu'on a, il faut se dire. Bon, c'est un peu galère, mais on l'a quand même. Alors, quels sont les moyens que j'utilise au niveau de la prospection aujourd'hui? Bah, j'ai mes anciens dossiers. Les réseaux sociaux, bah, je suis quand même régulièrement sur LinkedIn, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce que je vais quand même aller fouiller un petit peu, regarder qui sont les contacts, regarder les gens qui interviennent, quels peuvent être leurs besoins. Je vais poster, je vais essayer de poster des informations. Il y a mes réseaux sociaux physiques. Ils sont pas arrêtés, sur lesquels je continue à travailler beaucoup, c'est le BNI par exemple. Moi, je travaille beaucoup avec le BNI et c'est vrai qu'on a maintenu les réunions. Donc, BNI a maintenu les réunions. Ce matin, on était 35 en réunion à se donner des opportunités. J'ai fait des demandes spécifiques, on m'a répondu à mes demandes spécifiques et derrière, j'ai deux trois contacts à faire et ça m'a permis d'aller chercher des infos. Et donc, ma journée type, elle commence comment? Bah, c'est que le matin, bah, je regarde quand même si les bouteilles que j'ai lancées à la mer sur les réseaux sociaux, elles sont tombées. Donc, bah, je regarde quelles sont les nouvelles sur les réseaux sociaux, que ce soit sur comment dire, sur Facebook, sur comment ça s'appelle, sur LinkedIn. Et puis, je regarde aussi mes emails, les réponses. Je réponds à deux, trois emails. J'en profite pour rédiger des emails de prospection, c'est-à-dire que j'envoie des demandes, j'envoie des infos. Et systématiquement, alors là, j'ai un outil qui me le permet, j'envoie une proposition de prise de rendez-vous directement pour l'interlocuteur sur mon calendrier. Autre chose, j'utilise des outils, bah, Sylvain, c'est dommage qu'il ne soit pas là, hein. J'utilise des outils qui me permettent de traquer la lecture des infos, de traquer la lecture des mails. Et donc, d'avoir des retours sur ce que j'ai fait sur ma prospection. J'envoie des messages sur LinkedIn. Je me mets en relation, on en parlera tout à l'heure, hein, je pense, Jean-Paul. Je me mets en relation de façon soft avec des interlocuteurs qui peuvent m'intéresser ou m'apporter des idées. Et puis après, l'après-midi, bah, je travaille ensuite un peu plus sur mes offres, mes négos avec les partenaires. Et je me garde l'après-midi pour faire la prospection et les appels téléphoniques. Et après, un peu de suivi de prospection en fin de journée. Donc voilà une journée type. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, je vous écoute, hein. Grégoire, je peux faire juste une petite remarque? Oui, vas-y. Oui, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit le terrain de chasse s'est élargi. C'est facile de toucher les gens. On économise du temps parce qu'on a parlé de temps de transport, etc., etc. Je pense que on va revenir à la vie d'avant assez rapidement. Hein, et quelque part, si tu peux joindre autant de monde, si tu as l'impression que ce terrain de chasse s'est élargi, c'est aussi parce que tout le monde est disponible. C'est-à-dire que tout le monde est dans la même situation que nous. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est en réunion ou qu'on est. Alors, on peut dire qu'on est en visio, c'est clair, mais ça n'occupe pas toute une journée. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de joindre des interlocuteurs et parmi eux des décideurs. Oui, mais derrière, je reviens aussi là-dessus, c'est vrai que les modes de fonctionnement, les gens, la visio, c'est en train de rentrer un peu dans les mœurs.
C'est-à-dire qu'un interlocuteur pour un premier rendez-vous lui dire, bah, écoutez, je vous propose une petite visio de 20 minutes. Cette visio de 20 minutes, on l'a fait. Et demain, je pense que ça restera. Parce oui, que ça, c'est beaucoup plus rapide. C'est une certitude. Hein, et on va pouvoir toucher des gens. Et, les con- et même nous, c'est une économie fabuleuse pour nous commerciaux. Parce qu'entre deux rendez-vous, le temps de prendre la voiture, de machin, et tout, c'est impossible. Quoi. Et aujourd'hui, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Donc voilà. Et puis, je vais terminer hein, parce que… Mais je t'en prie, vas-y, vas-y, Grégoire, vas-y. Je vais terminer sur la prospection soft. Alors tiens, voilà. C'est bien que je sois passé avant, en fait. La prospection soft, c'est quoi? Je pense que la prospection bourrin, elle a fini. Donc, pour moi, la prospection soft, c'est de rechercher des recommandations. Je vais aller voir dans mes clients, je vais leur demander, est-ce que tu n'aurais pas une idée d'un client ou à mes partenaires? Qui est-ce que je pourrais contacter? J'ai besoin d'aller chercher du business. Je me présente en apporteur de solution. On va te dire, bah, tiens, j'ai cette solution-là, ça peut peut-être t'aider. Et discuter. Et derrière, la discussion va entraîner obligatoirement un échange et on va donner l'utilisation en priorité du mail, du chat, des messages sur les réseaux sociaux pour rentrer en contact. Ça, c'est ma priorité. Je n'appelle pas à froid. Ça, c'est clair. Et puis, moi, je me dis qu'il faut aller vite. Les interlocuteurs sont disponibles. Et l'autre chose que j'ai fait qui est rentrée et que je suis en train de développer, c'est que je mets en place des ateliers, des webinars. J'essaye de donner autant de conseils que je peux. La semaine dernière, j'ai fait un petit atelier sur le social selling et l'importance des outils, des réseaux sociaux dans la vente aujourd'hui. J'ai fait ça. Je me suis dit gratuitement, allez, une petite heure, deux heures, quelque chose comme ça. Et en fait, les gens étaient super contents. Et demain, quand ils auront besoin de me donner quelque chose, ils vont venir. Donc, j'essaie de mettre ça en place. Derrière, ça me fait une petite base de données. J'ai récupéré quelques clients, j'ai récupéré quelques prospects. Mais à terme, ça finit par payer. Et puis, je vais finir par la cerise sur le gâteau quand même. C'est que dans un atelier comme ça, un jour, j'ai fait un atelier. Et puis, je me dis, ah, tiens, je n'ai pas de retour de cet atelier. Et en fait, je fais un petit email, mais j'ai un client qui me dit, mais oui, mais j'ai signé avec toi, mais tu n'as pas été crédité d'avant. Ah, ben, je dis non. Et en fait, j'ai récupéré une vente sans rien faire, puisque ça s'est fait dans un atelier. Les gens ont eu confiance dans ce que je disais et sont allés acheter la solution. Donc voilà, donc je dis pour moi, il faut avoir une prospection soft et vraiment se donner un petit objectif quotidien de se dire, bah tiens, je vais essayer de toucher un ou deux clients, un ou deux prospects supplémentaires par jour. Donc voilà, je suis ouvert à vos questions, j'ai fait rapide. Moi, j'ai une question. Oui. Pour la prospection soft, justement, quand tu parles de messages sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, tu envoies un message privé directement à des personnes ciblées. Ah ben, je vais faire une petite recherche, je vais demander, je vais regarder si la personne elle a un profil qui est intéressant pour moi, ouais. Ce que je peux lui apporter, ce qu'elle peut m'apporter, et puis ben, je me connecte avec elle et je fais une demande de connexion. Alors, soit je la fais parce que je me dis ça va matcher tout de suite, soit je fais bonjour, ce serait bien qu'on rentre en relation sur LinkedIn parce D'accord. qu'on a des synergies qui peuvent se faire. Point. D'accord. Et après, bah, je vais travailler au fil de l'eau mon lead, mon opportunité. Ouais. Et okay. Moi, j'ai des exemples qui sont quand même sur les réseaux sociaux. J'ai de gros exemples. Hein. J'ai mon plus gros client que j'ai eu. Je lui ai envoyé un petit message comme ça, une bouteille à la mer, en lui disant, bah, tiens, on est tous les deux sur ce marché. Ce serait bien qu'on échange. Il m'a rappelé un mois après, on a signé un dossier. Ok. Voilà. Merci. Je vous propose qu'on continue avec cette fois-ci notre ami Jean-Paul qui a réussi à partager son écran. Et tu peux y aller, Jean-Paul. Et après, je vous donnerai mon point de vue d'ailleurs, puisque j'en ai un qui est assez arrêté aussi sur la prospection. Allons-y. Vas-y. Alors, moi, je tiens quand même à vous dire que je vous invite à relire le titre de cette keynote qui m'a été confiée par notre ami Loïc. Hein, doit-on prospecter à la bourrin en ce moment? Alors, je vais essayer de vous faire voyager un petit peu. J'ai mis juste deux, trois informations me concernant pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas. J'ai eu une carrière de commercial avant, hein, et puis depuis 2015, je suis aujourd'hui formateur consultant avec des commerciaux B2B qui sont dans la vente de services. Donc, voilà un petit peu le domaine dans lequel j'évolue tous les jours. La prospection, ça me parle un peu parce que j'en ai fait pendant quelques années et je continue d'en faire, comme Grégoire, par exemple, hein, parce que les formations ne se vendent pas toutes seules. Donc, on continue de travailler autour de la recherche du client. Je vous emmène… Le métier, c'est qu'on aime ça aussi. Oui, on aime ça aussi, ça va de soi. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner le contenu de ma recherche sur le mot « bourrin ».
hein, parce que là, quand même, c'est un morceau de bravoure. Hein. Alors, je vous le mets là, quand même, parce que voilà, c'est une des définitions du dictionnaire. Je ne sais plus si c'est le Larousse ou l'autre, mais peu importe. C'est un mot qui vient de bourrique, désigne un baudet, un canasson, un mauvais cheval, et désigne aussi une personne sans finesse, maladroite, stupide, balourde, bête, etc., etc. Voilà donc qui commence bien. Moi qui étais dans les équipes commerciales pendant plus de deux décennies et qui a à peu près tout entendu sur l'opinion que le grand public peut avoir des vendeurs, eh bien, me voilà encore obligé de reparler du caractère balourd, maladroit et consort de ce qu'est un commercial. Alors, tout ça, évidemment, développé au fil du temps, on peut se placer n'importe où dans le curseur, hein, on a tous notre opinion, mais c'est bien connu, un commercial qui prospecte, y compris dans sa propre entreprise, c'est forcément qu'il est dans le côté bourrin de son travail. En tout cas, c'est comme ça que c'était annoncé jusqu'à maintenant. On va voir si depuis, hein, si on verra à la fin de cette chronique, si quelque chose a changé. Moi aussi, j'ai quelques opinions arrêtées sur le sujet. Ça va être bien, Loïc, de pouvoir nous confronter. En tout cas, c'était vraiment bourrin au XXe siècle. De faire de la prospection. Il faut dire aux plus jeunes qui ne savent pas, ou pas encore, aux plus anciens qui commencent à oublier, qu'à l'époque, les outils de prospection, eh ben, c'était à peu près ça. Hein. Ça commençait aux pages jaunes, et puis ça finissait au compas. Hein. Je ne parle pas des grosses entreprises qui avaient des moyens énormes, je parle de la majorité des PME et des ETI. C'était très compliqué, très très compliqué de voir des outils qui soient véritablement fins. Pourquoi ? Bah parce qu'on n'avait pas, ce qu'il faut pour cibler, pour prioriser, pour sélectionner, pour ne déranger que ceux qui ont une petite chance d'être concernés par ce qu'on vend. Et ça pour une raison simple. Alors je sais que j'ai quelques gens qui sont un peu des geeks en face de moi, hein, mais on échangera tout à l'heure sur le sujet. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de data. Ou si elle existait, elle était beaucoup moins intéressante qu'aujourd'hui, beaucoup moins fine, et puis elle ne se diffusait pas chez tout le monde. Alors, ce fameux or noir, cette data, bah, elle permet d'avoir une info sélectionnée, chiffrée, organisée, classée, répertoriée, et au final, ça devrait permettre à la prospection, je dis bien ça devrait permettre à la prospection d'être beaucoup plus courte en termes de séquence, d'être plus rationnelle et au final plus précise pour ne toucher que les gens concernés. Mais ça, si vous me le permettez, c'est un peu comme le zéro papier avec l'informatique. Et plus il y a d'informatique, plus il y a d'impression, plus il y a de papier. Ben là, c'est un peu la même chose. Plus il y a de data, plus il y a de data, plus il y a de prospection. Hein ? Tu as dit quelque chose, Loïc ? Non, il y a de temps en temps quelqu'un qui arrive bêtement en laissant son micro et en criant. Et toi-même, tu n'as personne derrière toi qui fait du bruit ? Parce que j'avais l'impression que derrière toi, tu as quelqu'un qui fait du bruit. Ah non, je suis tout seul dans mon bureau. Ah, d'accord, alors je n'arrive pas à trouver où ça vient, d'où vient la fuite. Mais vas-y, continue. Alors, je dirais même, hein, si je voulais être un peu provocateur, c'est que plus il y a de data, plus il y a de prospection. Donc, si véritablement prospecter, c'est de bourrin, bah, plus il y a de prospection, plus il y a de bourrin. Hein, je vais un peu dans la provocation, là, hein, histoire d'alimenter le débat qu'on aura un petit peu tout à l'heure. Pour autant, il faut se dire quand même que, on l'a vu tout à l'heure, prospecter à la bourrin avant 2010, ça pouvait passer pour quelque chose de normal, car le peu d'outils de qualification de fichiers qu'on avait n'était pas à la portée de tous. Mais aujourd'hui, normalement, tout a changé. Depuis 2010, 2012, on va le dire comme ça, les CRM se sont développés, se sont sophistiqués, les réseaux sociaux sont arrivés en force. Hein. Il y a eu d'abord Viadeo qu'on a oublié, et puis maintenant LinkedIn où il y a 19 millions de gens dessus, hein. 16 ou 19, je ne sais plus, mais enfin on est presque à 20 millions de gens rien qu'en France. Hein. Donc au fil des années, les éléments se sont affinés. Les premiers outils de data, de marketing automation, de développement, de solutions de prospection beaucoup plus sélectives sont apparus. Le social selling, on vient de le dire, fait des émules. Donc grosso modo, depuis cette période, la prospection de type bourrin aurait dû disparaître. Elle aurait dû disparaître. Et pourtant, ça n'est pas tout à fait le cas. Les entreprises de la tech, du logiciel, qui, elles, sont toujours un petit peu en avance, elles ont adopté un certain nombre d'outils intelligents, mais le gros de la troupe que nous sommes,
Nous continuons de déranger la planète entière pour vendre nos solutions d'alarme ou de protection incendie ou d'assurance sur la vie. On continue à être bourrin, et c'est à croire que chasser le naturel du bourrin, même avec des outils sophistiqués, le fait revenir au grand galop. Alors, vous ne me croyez pas, mais je vous provoque un petit peu, mais des exemples, il y en a tous les jours. Tous les jours, avec des outils technologiques avancés, on travaille à la bourrin. La semaine dernière, un exemple, j'ai fait une enquête pour un de mes clients sur l'utilisation que faisaient les commerciaux de LinkedIn dans son entreprise. Et j'ai appelé un commercial parisien qui m'a dit ça. Il m'a dit, moi, j'utilise LinkedIn que pour une seule chose, c'est pour identifier le nom des responsables achats dans les entreprises que j'ai ciblées. Et le nom de la personne, je cherche son numéro et je l'appelle. Voilà. Donc, tu es en train de me dire que tu utilises un outil aussi complet que LinkedIn, qui est bourré d'infos, juste pour trouver le numéro d'un type, que tu vas harceler au téléphone, alors que tu n'as même pas lu dans le détail son profil. Spamming téléphonique. Spamming téléphonique, prospection à la bourrin. Je vous donne un autre exemple que vous avez tous connu, parce que vous le vivez sans doute tous les jours. Début avril, j'ai accepté 3 entrées en relation qui m'apparaissaient bizarrement libellées, avec un texte d'invitation un peu maladroit. Je me doutais de ce qui allait arriver, donc j'ai accepté. Et donc, dès l'acceptation, j'ai reçu des contenus promotionnels, j'ai reçu une offre limitée, j'ai reçu une vidéo sur laquelle je n'ai pas cliqué, et le lendemain, j'ai reçu une relance pour que j'accepte un rendez-vous téléphonique. Et comme je n'ai pas accepté la relance, eh bien, évidemment, le lendemain, j'ai eu la relance de la relance. Marketing automation, prospection à la bourrin. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier? Parce que je parle, mais je suis comme vous, je suis comme tout le monde, je fais partie de ce monde-là. Ben, j'ai fait ce que je viens de dénoncer. J'ai fait une vidéo, un flyer, pour vendre mon programme de coaching sur le social selling, et puis j'ai adressé le tout à 130 sales exécutives, à 50 managers commerciaux qui étaient en relation de niveau 1 dans mon réseau LinkedIn, et 2 jours après, j'ai attaqué le rappel téléphonique. Encore une fois, prospection à la bourrin. Alors, vous pouvez prendre cette chronique comme un peu, comment dire, cette keynote comme un petit peu provocatrice, mais c'est un peu ma façon à moi de faire avancer le débat. La question n'est plus de savoir si on doit prospecter à la bourrin en ce moment, même si ce moment est particulier. La question est simplement de savoir en ce moment, comme dans tous les autres, est-ce qu'on sait faire autre chose avec les outils intelligents, les applis spécifiques, les solutions sophistiquées? Est-ce qu'on sait faire autre chose qu'inonder la terre entière avec du rentre-dedans, du promotionnel, du gratuit, du discounté, etc., etc. Notre sentiment n'est pas le même que celui du prospect. Nous, pour nous prospecter, nous qui sommes des commerciaux, pour nous prospecter, c'est faire le job, tout simplement. Mais pour lui, pour le prospect, on est beaucoup plus pressant, beaucoup plus qu'avant, bien plus souvent, avec des outils bien plus précis. Donc lui, il ne prend pas ça aussi bien que nous. Peut-être qu'on ne prospecte pas plus mal, qu'on n'est pas plus bourrin qu'avant. Peut-être est-ce que c'est simplement le résultat des outils intelligents, de la sales tech, qui sont beaucoup plus performants qu'au XXe siècle. Toujours est-il que, pour avancer un petit peu, on peut quand même se poser une question, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir plus ne nous ramène pas à la même attitude que celle que nous avions au XXe siècle? Au XXe siècle, on n'avait pas d'outils ou des outils très basiques. C'était la raison pour laquelle on avait une prospection à la bourrin. Au XXIe siècle, la sales intelligence est passée par là. Elle est tellement fine et précise qu'elle nous donne des arguments encore plus importants et plus nombreux pour continuer de faire de la prospection à la bourrin. Alors, peut-être que vous me trouvez un petit peu dur, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi, mais sérieusement, très sérieusement, je ne sais pas si on sait faire autre chose ou si on peut faire autre chose que du bourrin avec des outils intelligents, parce que je n'utilise pas les solutions de sales automation, d'inbound ou d'outbound marketing, mais je sais que certains ici vont pouvoir le dire. Ce que je sais par contre, et c'est par ça que je vais terminer, ce que je sais par contre, c'est qu'on peut faire des choses intéressantes, on peut faire du soft, comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, tout simplement en ayant une vraie approche rationnelle, humaine de LinkedIn, en ayant une vraie culture de réseau spécifique, une vraie démarche d'interaction à valeur ajoutée, une stratégie de partage. Ça, je sais que ça génère de l'appel entrant. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait retrouver aujourd'hui en ayant travaillé en amont son profil et tous les éléments qui nous permettent d'interagir dans de,
dans de bonnes conditions. Je pense que la profession aura toujours la prospection aura toujours un côté bourrin, mais ça, on l'a dit. Mais peut-être que la meilleure des prospections, celle qui donne le plus de résultats, c'est ce qu'on avait écrit dans l'introduction de cette keynote, c'est peut-être tout simplement de faire du combo selling, c'est-à-dire de continuer de téléphoner à nos clients quand on a quelque chose à leur dire, de privilégier les rendez-vous in real life, d'envoyer du mail, de faire du social selling, de les recevoir sur des salons, de faire un peu d'automation quand il le faut, etc., etc. C'est peut-être le combo selling et peut-être la meilleure des techniques de prospection. En tout cas, moi, pour répondre à la question du moment que nous vivons, qui est un moment très particulier, et ça n'engage que moi, je pense que là, dans l'instant, il y a quelque chose qui est très important pour nos clients et nos contacts, quels qu'ils soient, prospects ou clients, c'est de leur montrer qu'on prend soin d'eux, qu'on se rend utile, qu'on est présent, sans aucune autre forme de pensée. Tu le disais tout à l'heure, Grégoire, le simple fait de rendre service ou de dire « si vous avez besoin, je suis là », c'est quelque chose qui fera la différence à la fin de la période compliquée qu'on vit aujourd'hui. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, je m'arrête là et je vous laisse à la réflexion que vous voudrez bien avoir sur ces quelques phrases d'introspection. Moi, je voulais réagir, Jean-Paul, par rapport à ce que tu disais, parce que je réagis sur le mot « bourrin ». On a tous été victimes, entre guillemets, de ces appels intrusifs, de ces centres d'appels, etc. Mais comme tu le dis, nous avons un moment dans tous nos développements d'affaires besoin de cette période de solliciter des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Le social selling, c'est super. Je crois qu'on a tous envie de développer notre réseau, nos recommandations d'affaires de manière éthique, soft, etc. Pour autant, c'est un travail de fond qui prend plusieurs mois pour commencer à porter ses fruits. Et en attendant, les personnes ne mangent pas de cailloux. Les entreprises, elles ont besoin de développer du chiffre. Et c'est vrai que aller appeler des personnes pour tenter de vendre ses produits ou d'avoir du business. Malheureusement, pour moi, ce n'est pas du bourrin si c'est fait proprement, mais en tout cas, c'est du travail de besogneux. Et c'est vrai que les commerciaux sont très mal étiquetés. Pour autant, je pense que c'est un métier qui nécessite beaucoup de résilience, de persévérance et d'endurance, quoi, hein. Le client qui reçoit l'appel intrusif ou dérangeant est dérangé une fois, mais le commercial qui doit faire 200 appels auprès de personnes où il sent bien qu'il dérange, voilà, c'est encore plus dur pour lui. Mais pour moi, ce n'est pas du bourrinage, même si c'est désagréable et quand on a la capacité à ne pas le faire, ne le faisons pas, mais c'est du besogneux. Alors moi, je vais répondre à ça parce qu'en plus, j'ai travaillé dans les centres d'appel, donc je sais ce que c'est. Donc, c'est vrai que c'est du besogneux. De toute façon, le commercial et la vente, quoi qu'il arrive, à un moment, moi, j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit qu'il n'aimait pas ce terme-là, j'ai dit c'est des maths. Donc, plus je vais rentrer en contact avec des gens, plus je vais avoir de contacts argumentés, plus je vais avoir de propositions à faire et plus je vais vendre. Jean-Paul, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Mmh. Donc, ça, c'est clair. Donc, maintenant, il faut se dire comment je fais pour avoir un discours qui soit un petit peu plus soft. On peut essayer d'avoir 200 contacts, de faire ce travail de masse, mais peut-être le faire de façon plus empathique, de façon plus soft pour aller vers les clients. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on en fasse tous. On a tous besoin de chiffres aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de vendre comme Jean-Paul. On a besoin de vendre nos services. Moi, j'ai besoin de vendre nos outils CRM, de rentrer en contact avec un maximum de monde. Plus j'ai de contacts, plus je sais que je vais faire de ventes. Et demain, j'aurai mon salaire qui va tomber. Je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention aussi à la démarche et pas être… Moi, je pense que les centres d'appel tels qu'on les a connus, moi, quand je montais des plateaux sur 200 personnes à Tunis, bon, je pense que ce temps-là, il est quand même un petit peu fini. Donc aujourd'hui, il y a une démarche différente un petit peu à avoir. Alors, avant que je n'intervienne, y a-t-il une autre remarque ou un point de vue dans la salle, un point de vue? Oui, Loïc, Julia. Vas-y, Julia. Je voulais justement poser cette question. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir un effet 11 mai, à savoir on lâche les lions qui étaient en cage, les lions que nous pouvons représenter, nous, les chasseurs, les business développeurs. Est-ce qu'il peut y avoir cet effet-là qui va créer justement aussi
encore peut-être plus, cette aversion à zéro proposition de valeur ou en tous les cas le phoning à froid. Jean-Paul, tu veux répondre et après je réponds. Oui, non, je veux faire une non-réponse, Julia, mais ce n'est pas pour me défiler. C'est parce que je suis incapable de dire ça et que personne ne peut. Je crois que même les préventionnistes aujourd'hui ne peuvent pas prévoir ce qui va se passer. C'est très compliqué de savoir si le 11, on va tous se jeter sur nos offres et qu'on va reprendre le boulot. Moi, je n'y crois pas trop, mais ce que je crois n'est pas très important, c'est que je pense qu'on peut. On n'a aucune lecture de ça. Grégoire, tu avais aussi une réponse là-dessus hein? Moi, je pense qu'en fait, bon, on est nombreux ici, mais je pense qu'on n'a pas vraiment arrêté, hein, de toute façon. Donc, donc il n'y aura pas besoin de sortir du bois. Hein. On est déjà en chasse. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les vrais commerciaux, qu'ils soient d'ailleurs en chômage partiel, qu'ils soient en arrêt ou autre, c'est en ce moment qu'ils travaillent et ils ont vraiment intérêt à travailler maintenant. Alors après, certainement aussi après le 11 mai, évidemment, il va y avoir un embouteillage pas possible dans tous les sens de tout le monde. Hein. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué, effectivement, d'arriver à joindre des gens, d'arriver à les faire venir, à des trucs comme ça. Ça va changer fondamentalement hein, à un moment donné quand les gens seront repartis. Donc il faut, moi, je pense qu'il faut vraiment profiter encore à fond de la semaine prochaine hein, pour faire des choses. Déjà, oui, premièrement, tout à fait. Hein, c'est maintenant qu'il faut faire. Alors c'est très bien d'ailleurs d'être dans des webinaires, on est tous hyper sollicités par des webinaires, en veux-tu, en voilà, par comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va rebondir, comment. Moi je pense qu'il faut en parallèle être très actif aujourd'hui pour faire de la prospection, en ce moment. Mais pas de la prospection n'importe comment peut-être. C'est là qu'il faut être un petit peu plus sensible. Et par exemple, il y a 15 jours ou 3 semaines, j'aurais déconseillé d'utiliser les méthodes automatisées de prospection à la bourrin, telles qu'on peut le faire assez souvent, nous, les social sellers, avec LinkedIn Sales Navigator et des outils d'automatisation, parce qu'on n'était pas sûr de qui on allait vraiment toucher. D'accord ? Quand on allait faire ce type de prospection, et les gens, ils étaient tous dans le choc, où ils étaient tous, il y en avait beaucoup qui vraiment aurait peut-être pris ça mal à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans l'action, je pense. Hein. Enfin, je connais personne qui soit encore dans la dépression, dans le truc ma mère, mon père. Enfin, bien sûr, on a des gens qui ont des problèmes individuels, mais je pense que tout le monde est dans l'action. Alors après, comment s'y prendre? Moi, je pense que la première chose, si vous êtes un indépendant, un coach, un consultant, un formateur, un conférencier, une TPE, un entrepreneur, d'accord? Vous êtes tout seul. La première chose, la première question que vous avez dû déjà vous reposer, c'est votre modèle de business, c'est votre offre. Parce qu'il faut qu'évidemment votre offre, elle soit devenue une offre indispensable, un produit indispensable, un service absolument indispensable, et non pas des couvercles de WC chauffants ou je ne sais pas quoi, ou des trucs dont on n'a rien à fiche pour vraiment être dans l'essentiel. Hein? Donc il y a un problème de repositionnement qui, j'espère, a déjà été réglé ou est en train d'être réglé, le pivot de l'activité. Parce que ça ne sert à rien de faire la prospection pour des trucs qu'on n'arrivera pas à vendre. Hein? Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de ses clients existants et de ses prospects qu'on avait déjà en portefeuille. Et il y a plein de prospects dans les cycles de vente en général qu'on a depuis 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 12 mois. Ça dépend du type de vente. Hein. Moi, je suis toujours dans la vente complexe B2B. Avant, j'étais dans l'informatique. Hein. Maintenant, c'est des services aux entreprises, des choses comme ça. Hein, c'est pas vendre des épinards voilà, en e-commerce hein, ou je ne sais pas. Eh bien, on s'occupe, à mon sens, on reprend contact au téléphone, avec ses clients existants et ses prospects existants. Et Dieu sait, j'espère que vous avez un certain nombre de prospects dans votre CRM, quoi, qui existent. Et si ça ne vous suffit pas du tout, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas le bon moment de les rappeler, effectivement, et de faire, comme disait Jean-Paul, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui hein? Comment est-ce qu'on peut les aider? Il faut être empathique et il faut se mettre à leur service. C'est le moment vraiment d'être, à mon avis, dans une position d'aide aux clients. Et surtout pas penser à votre closing, à votre fin de mois. Bien sûr que si vous le faire derrière, mais il faut aimer les clients, quoi, en fait, hein, aujourd'hui, à mon avis. Et alors, les prospects, d'abord. Hein. Voilà. Vas-y, Jean-Paul. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'attendais que tu le dises, hein. Si on aime les clients, c'est le moment de leur montrer. Hein. Donc là, tu ne peux pas avoir plus raison.
C'est-à-dire appeler le client. Aussi, hein, les prospects aussi. Les prospects. Hein. Gros, évidemment, en gros, c'est tout ce qu'il y a dans le pipe. Hein, on est bien d'accord. Donc, effectivement, les prospects avec lesquels on a commencé à discuter, moi, j'ai vite compris quand l'histoire est arrivée que notre paradigme de discussion allait être changé, bouleversé. Forcément, ce qui devenait une utilité, c'est-à-dire de la formation, passait en second plan. On était sur autre chose. Donc, j'ai tous appelé en leur disant « je comprends parfaitement ». Je suis complètement, j'ai bien compris que ce n'était plus la préoccupation numéro un. Rassurez-vous, on aura le temps d'en reparler. Par contre, comment je pourrais vous aider maintenant ? Voilà, c'est tout. Et ça a fait le buzz, parce que ce matin encore, tu vois, il y en a un qui a appelé. Il y en a un qui m'a rappelé ce matin en me disant il faut qu'on parle de quelque chose. Donc ça veut dire que quelque part, ça marque. Oui. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça revient. Ça revient. Alors, hein, toujours. Par contre, si on revient au social selling, parce qu'on parle de prospection, mais on va voir la prospection en utilisant les réseaux sociaux. C'est quand même le sujet du social selling forum. Hein. Ben évidemment. Aujourd'hui, Jean-Paul a parlé de combo selling. D'accord ? C'est la combinaison de différents moyens pour faire de la prospection et de la vente. Moi, le problème que je vois, c'est plutôt que les commerciaux n'utilisent pas la dernière patte de ce combo selling qui est les réseaux sociaux. On est d'accord. Ils ne les utilisent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font exactement ce qu'a dit Jean-Paul. 80% d'entre eux, notamment dans les grandes et moyennes entreprises, hein, eh bien, ils utilisent comme carnet d'adresse. Ça y est, je vais chercher, effectivement, comme le disait Jean-Paul, je vais faire une recherche. Vous voyez, je suis sur... là, je partage mon écran. Je suis sur LinkedIn Sales Navigator, par exemple, si je suis un commercial un peu évolué et que je veux prospecter à la bourrin, hein, mais ce qui peut être positif, encore une fois, comme le disait Jean-Paul, eh ben, je vais utiliser une LinkedIn Sales Navigator, et puis ça y est, je vais trouver les 633 prospects qui sont dans ma cible, comme ils disent les commerciaux d'aujourd'hui, hein, un peu agressifs. In the target. Voilà, à Montpellier, les relations de deuxième niveau qui sont dans tel et tel secteur d'activité, dans telle et telle fonction, qui ont tel et tel titre. Donc, on est capable de faire des recherches. Hein, et tous les commerciaux, beaucoup de commerciaux font ça. Et derrière, bah, effectivement, ils font ce que dit Jean-Paul. Ils reviennent aux méthodes du 20e siècle. Hein. Simplement, bah, je vais simplement le faire du cold calling auprès de ces gens-là ou les spammer en mail en récupérant toutes leurs emails et tous leurs téléphones. Je vais les spammer. Bon, ça, je dirais... C'est une des manières de faire. Hein. Il faut faire attention simplement à la manière dont on le fait aujourd'hui. Okay, mais ça ne suffit pas. Je pense que c'est aussi le bon moment maintenant pour que chaque commercial ou chaque indépendant ou chaque consultant ou chaque rhétoricien comme Mathieu, ou, il le fait certainement d'ailleurs, ou d'autres, se pose la question comment je fais pour faire en sorte que les gens, à un moment donné, viennent vers moi, que les gens, à un moment donné, me recommandent, que les gens, à un moment donné, aient envie que je les aide, aient envie que je rentre dans une conversation où je vais pouvoir les aider. Et c'est là qu'il faut, penser à utiliser les réseaux sociaux d'une deuxième manière. Alors malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui se décrète et qui se fait en 15 jours. Ça oblige à avoir une démarche que vous auriez déjà dû avoir il y a un an, deux ans ou trois ans, si vous ne l'avez pas encore eu, hein, qui est une démarche d'aide à vos prospects. Hein. C'est ce que j'explique ici, c'est comment je me positionne pour être un référent dans mon domaine d'activité, que je vende des machines-outils ou que je vende des logiciels informatiques ou que je vende des poireaux, hein, à des commerçants, j'en sais rien, hein, même si je suis agriculteur. Comment je fais pour montrer sur les réseaux sociaux que je suis quelqu'un qui aide ses clients et ses prospects à progresser dans leur apprentissage ? Si je vends de l'immobilier, si je vends du financement, si je vends de la location longue durée, si je vends des machines-outils, comment je fais pour me positionner en tant que quelqu'un qui est capable d'aider les autres dans leur parcours d'apprentissage, hein? C'est un... Dans le domaine, attention, pas n'importe où, dans le domaine où j'ai quelque chose à vendre et où j'ai bien redéfini mon offre. Parce que j'ai avant tout une stratégie et des objectifs qui sont clairs. Je sais ce que je vends à qui, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Si je ne sais pas ce que je veux vendre et à qui je veux le vendre, ça ne sert à rien ce que je suis en train de dire. Si je suis un coach de dirigeant, comme 90 000 autres coachs de dirigeants qui ne sait pas ce qu'ils vendent à qui, ça va être compliqué. Hein, d'accord ? Voilà, hein, ou un consultant qui fait en transformation numérique, on ne sait pas ce que c'est, ça va être compliqué. Voilà ce que je dirais, moi, aider les clients. Quelqu'un voulait agir, c'est juste un tout petit témoignage. Merci beaucoup Grégoire, merci beaucoup Jean-Paul.
Un plaisir de recroiser vos routes. Alors, Julia parlait d'un enseignement, en fait. Que va-t-on devenir le 11 mai ? Alors, en Suisse aussi, le 11 mai est une date importante. Que va-t-on devenir le 11 mai ? Eh bien, je pense qu'il faut, en fait, c'est un peu ce mécanisme du questionnement ou de l'interrogation chez le journaliste. Quand un journaliste me téléphone en me disant « Mais quel est l'avenir de l'expression orale avec le digital ?» Eh bien, on ne peut pas le dire tant qu'on n'est pas sorti. Et ces journalistes ont systématiquement envie qu'on pose des mots sur ce qui n'est aujourd'hui pas envisageable. C'est comme d'être à l'école et au bout de la deuxième année de son cursus de 3 ans, tirer des conclusions sur ce que ça nous a apporté. Moi, je rejoins Jean-Paul. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui pour essayer de décrire un comportement futur. Et bien simplement parce que personne ne l'a vécu, même la génération de mon père aujourd'hui n'a pas connu encore ce genre de pandémie. Il est né juste après les quelques pandémies précédentes. Et pour ce qui est de la prospection sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais autant bien marché qu'avec la personnalisation des échanges. En fait, je pense que chacun a pris considération aujourd'hui qu'il existait et qu'il avait une place à prendre sur Terre. Et lorsque vous valorisez cette place que les gens aiment prendre, c'est tout de suite plus facile. Je vous donne un exemple. Maintenant, je fais des vidéos où je commençais par bonjour. Toujours clap, bonjour. Et bien maintenant, je fais des vidéos de 30 secondes où c'est plus clap, bonjour, c'est clap, bonjour, monsieur Pinault, ou clap, bonjour, monsieur Jacquet, ou clap, bonjour, madame Béran. Et je parle de votre entreprise et j'essaie de faire un diagnostic et sur base de ce diagnostic, comment la parole, comment l'expression orale peut vous être utile. Et ça dure 30 secondes. Et moi, sur 3 vidéos, on ne fait pas bien sûr une étude, mais sur 3 vidéos, c'est 100% pour l'instant de taux de conversion, puisque les gens se sentent clairement mis au centre de la démarche commerciale. Ouais. Ouais, et je suppose… Mathieu, vas-y, Jean-Paul. Oui, Mathieu, je suppose que tu ne dis pas la même chose dans les 3 vidéos, parce que Monsieur X, Madame Y et Mademoiselle Truc n'ont pas forcément les mêmes besoins dans le domaine que tu proposes, et forcément, tu as hyper personnalisé, et c'est plus de la vente, tu fais du conseil individualisé. Alors, pour la dernière vidéo en date que j'ai faite, donc c'est la 4e et j'attends encore réponse, c'est le directeur de l'aéroport de Genève. Je me suis dit, j'y vais au culot, on est en relation sur LinkedIn. Donc, c'est clap, bonjour, monsieur Schneider. Et je parle de toute la problématique des clients, en fait, du SAV, du service après-vente. Et la compagnie, en fait, les compagnies d'aviation, l'aéroport doit faire face à un nombre démesuré de clients mécontents, de questionnements, d'incertitudes. Alors, comment gérer cette catégorie d'audience ? Effectivement, Jean-Paul, j'essaie de personnaliser, d'apporter chaque fois cette graine. Alors, attends. Alors. Mathieu, j'ai une question. Vas-y, Irène. Merci, Loïc. Ces vidéos, tu les postes en messagerie privée ? Alors, évidemment, la clé, c'est d'avoir le bon contact. On ne poste pas une vidéo à Jean-Paul Jacquet si je souhaite atteindre le supérieur ou une autre personne. Donc, c'est d'abord un travail, effectivement, de recherche. Et soit je les mets en lien YouTube non répertorié, comme ça que les gens, si c'est un email que j'ai, ils ont juste à cliquer sur l'ouverture du lien YouTube. Et effectivement, le préférable, c'est de travailler sur LinkedIn en message privé. D'accord. Alors, je voudrais quand même faire 2 remarques par rapport à ça. C'est que, si vous avez une offre vraiment très forte dans un domaine et vous savez que tel type d'entreprise ont vraiment un besoin fort de réponse par rapport à votre offre, hein, ou de solution qui est justement celle que vous proposez, je pense qu'il peut aussi y avoir de la fausse personnalisation. Je m'explique. Si tu cibles 3, 4, 5 entreprises qui sont exactement dans le même domaine et qui ont exactement les mêmes genres de problématiques de SAV, et que tu es un spécialiste dans la solution que tu vas apporter pour le SAV, rien ne t'empêche d'avoir 3 fois, 4 fois, 5 fois quasiment la même vidéo. Simplement, tu modifies le nom de la personne. Moi, quand je m'exprime sur le social selling, c'est la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre, c'est toujours la même chose que je raconte. Et quand je raconte comment une entreprise pourrait former ses commerciaux ou pourrait se mettre au social selling, très souvent, selon les types d'entreprises auxquelles je m'adresse, c'est la même chose. Hein, oui. C'est la solution qu'on va apporter. C'est simplement que
un, tu montres que tu as regardé ça, qui il était lui et quel était son contexte, et tu t'adresses à lui. Après, la solution, elle peut être tout à fait la même tout le temps. Hein. Vas-y. Oui, mais en fait, alors de nouveau, je prêche ma paroisse. Dans le discours commercial qu'on analyse en rhétorique, on a non pas problème-solution, mais il y a le diagnostic. Et c'est ce que j'explique toujours. Vous êtes chez le médecin peut vous tendre une plaquette de X ou Y médicaments. S'il ne vous dit pas quelle est l'origine de votre problème, de votre toux, eh bien, la solution, il peut vous enfumer avec une solution pseudo-scientifique, etc. Alors que s'il vous le dit, ben, voilà, vous toussez parce que vous avez une miette de pain coincée dans la gorge, là, vous n'aurez même pas à prendre des médicaments. Vous aurez peut-être un autre type de traitement. Alors, lorsque je montre à l'entreprise à qui je vais envoyer une vidéo que j'ai fait la réflexion sur quel est son diagnostic personnel, je peux y apposer une solution qui correspond à ce diagnostic. Mais bien entendu, cette solution, il y aura peut-être plusieurs diagnostics similaires et donc plusieurs solutions similaires. Mais je ne peux pas dire simplement l'expression orale est la mère de toutes les vertus, il faut ça. Enfin, voilà. C'est une adaptation en fonction vraiment du diagnostic. Oui, ce que je veux dire, c'est que le diagnostic que tu as fait, le diagnostic de la société A, tu prends une société B qui ressemble à la société A vraiment fortement, ou une société C qui ressemble à la société B et A, tu vas souvent, néanmoins, aujourd'hui, dans nos domaines en tout cas, avoir le même type de diagnostic. Hein, et à partir du moment où tu as le même type de diagnostic, tu peux lui montrer que c'est personnalisé, puisqu'il y a ce diagnostic pour eux, mais c'est quand même le même que le diagnostic B, c'est quand même le même que le diagnostic C, si tu es suffisamment ciblé par rapport à... Si tu as une vraie stratégie de clientèle. La stratégie, c'est le couple solution-marché, et le marché étant le plus important. Donc, je choisis le marché cible, qui est une petite niche de marché sur laquelle je vais me focaliser. Et dans cette niche, les gens, ils ont souvent les mêmes besoins dans la niche en question. Faut pas se leurrer. Quand tu vends de la rhétorique, ben les gens, il y a 4 ou 5 raisons pour lesquelles ils ont besoin qu'on les aide au niveau de la rhétorique. Il n'y en a pas 18 000. Il n'y en a pas autant que de sociétés. C'est ça que je veux dire. Et donc, tu es capable de faire de la personnalisation sans que ça soit réellement de la personnalisation, je trouve. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis maintenant, je ne sais plus ce que d'autres. J'avais un deuxième truc, mais vas-y, Grégoire. Je disais merci, Mathieu, pour la vidéo, parce que c'est quelque chose que je songeais à utiliser, parce que j'ai un outil qui me permet de le faire sur les emails. Merci de l'information. Et sinon, moi, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on fait dans nos offres commerciales, Loïc. C'est-à-dire qu'on a des offres commerciales. Jean-Paul, je suppose que c'est pareil. On a un programme et on va essayer de mettre en phase le programme par rapport aux besoins qu'on aura identifiés chez le client directement. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, plus ou moins. Si on est un bon commercial, je pense que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On a bien écouté son client et derrière, on met vraiment quelque chose de personnalisé, deux, trois petites touches. Mais la base est la même. Ouais, voilà. Alors, Mathieu, y a-t-il une autre réflexion avant que nous ne continuions sur ce qu'on veut partager avec vous? Non? Il n'y a pas de réflexion? Vas-y, Olivier, si tu veux parler. C'est le moment, tu te connectes, Olivier Verdier, vas-y. Alors, bonjour à tous. Moi j'adore Mathieu. Depuis un an, je le suis. J'adore sa rhétorique. Je suis fan. Mais en même temps, il m'ouvre un champ des possibles, peut-être la vidéo, et ça me donne des idées de... Parce que depuis 2 ans, j'ai un peu honte, mais je n'ai toujours pas fait de post, LinkedIn. Enfin, je fais juste du partage ou autre. Mais voilà, c'est une espèce de peur de ne pas faire bien. Mais bon, c'est ma nature, hein. Et je loue, voilà, pourtant il a l'air, attention, vos enfants, c'est pas sur mes intentions, mais je trouve qu'il a l'air timide, mais en fait, non, pas du tout, quoi. Il ose des choses que, moi, j'ose pas faire, pourtant, en tant que commercial, j'avais pas peur de forcer une porte, passer par une cave, passer par la fenêtre, monter par un toit, prendre des échelles, et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ma posture de formateur, non pas que j'aime pas mon métier, mais j'ai du mal à me mettre en avant, à faire des choses et à être toujours dans le jugement avec cette jeune génération qui vous juge rapidement dès qu'ils vous ont trouvé sur un réseau social, quoi. Donc c'est ma conscience de vieux con, peut-être, je ne sais pas. Mais je loue, voilà, sa fraîcheur, son talent, alors qu'on dirait plus un enfant de cœur qu'un commercial. Voilà. Et en plus, c'est un petit Suisse. Mathieu. Je m'en fiche. Lui-même. Je voulais vous rebondir sur ce que dit Olivier, parce qu'hier aussi, il me semble que tu es un peu intervenu sur cette problématique de crédibilité vis-à-vis de certaines cibles. Pour autant, on parle de haters
ou de gens qui ont un petit plaisir qui a cassé un peu les initiatives ou à juger. Mais Benoît nous disait hier, alors je ne sais pas s'il est là, mais Benoît disait hier, attention, il faut se concentrer sur les 20% qui, chez qui on stimule l'intérêt, quoi. Donc, évidemment, dans l'ensemble de la masse, il y aura une grosse partie qui ne seront pas intéressés et une autre partie qui seront à vouloir te décrédibiliser. Mais il y en aura une partie qui sera intéressée et met ton énergie sur ces personnes-là et ne te pose pas la question si tu es crédible ou pas. Fais. Tu vois. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Après, je laisserai Jean-Paul dire ce que tu veux dire quelque chose, Jean-Paul ? Sinon, je le dis d'abord. Non, je peux attendre. Vas-y. Oui, donc. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, les choses sont assez éphémères. D'accord ? C'est-à-dire que vous faites un post ou vous faites un commentaire sur un post. Dites-vous bien que dans quelques jours, ça sera passé. D'accord ? Donc, vous faites une connerie aujourd'hui et moi, j'en fais une fois sur 50 aujourd'hui et une fois sur 10 peut-être il y a 3 ans. D'accord ? Je faisais une connerie. Une connerie, ça voulait dire un poste qui était mal exprimé ou certaines personnes l'avaient pris de travers. Un poste où j'avais fait une erreur ou une bêtise en expliquant quelque chose que j'aurais pas dû dire. Un commentaire sur lequel j'ai critiqué quelqu'un d'une mauvaise manière, j'aurais pas dû le faire, etc. D'accord ? Et ça arrive au début une fois sur 10, une fois sur 5, une fois sur 20. Mais si vous arrêtez pas de travailler, de le faire, assez rapidement, ce sera plus qu'une fois sur 50. Vous voyez que vous ferez une bêtise. Et vous saurez que quand vous avez fait une bêtise, eh bien, il suffit de le reconnaître. Voilà. Hein? Il y a quelqu'un qui vous aura dit, mais t'es des conneries, tu racontes que des bêtises. Ah ben oui, j'ai raconté une bêtise. Et vous allez le reconnaître. Et puis, 2 jours après, ce sera oublié. D'accord ? Ou 3 jours après, ce sera oublié. Donc, ce qui est le pire, c'est de ne pas agir. C'est pas de faire « Ah, qu'est-ce que je raconte ? Est-ce que je ne vais pas dire une connerie ? Est-ce que je ne vais pas mal m'exprimer ? Est-ce que je risque pas ceci ?» Vous faites ça, vous n'arriverez jamais à rien sur les réseaux sociaux. Donc, prenez la parole, exprimez-vous, apprenez la rhétorique. Vous voyez, Mathieu, il sait ce que c'est que la rhétorique. Suivez un peu ce que Mathieu, suivez son collègue également. Comment il s'appelle ton collègue ? Ah, c'est Victor Ferry, vous suivez Victor, vous suivez Mathieu, vous allez avoir des super spécialistes de la rhétorique et vont vous apprendre la manière de vous exprimer. Vous regardez les conférenciers professionnels, vous regardez même des gens comme nous qui simplement osons nous exprimer. Et de temps en temps, on fait des conneries, hein, voilà. Mais si, celui qui ne fait pas de conneries, il n'avance pas, à mon avis. Mathieu, tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Non, c'est bon ? Jean-Paul ? Non, je peux juste compléter ce que tu dis. Il y a une question de légitimité. À partir du moment où on ne se sent pas légitime pour faire quelque chose, il ne faut pas prendre le risque, effectivement, de le faire dans le sens où on aurait à le regretter. Encore que, comme le dit Loïc, on peut être maladroit et l'important, c'est de le reconnaître et de dire qu'effectivement, enfin, de faire les modifications qui vont bien. Mais si on se sent légitime pour intervenir dans un domaine, si ça apporte quelque chose, moi, c'est toujours la question que je me pose. Je me dis toujours, est-ce que ça a une vraie utilité, là, ce que je suis en train de décrire ? Est-ce que ça ne va pas barber les gens ? Eh bien, ça m'est arrivé, hein, de mettre des trucs de l'avoir regretté quelques jours après, parce que d'abord, ça avait fait pratiquement rien en termes de data. Il y avait 3 pauvres likes qui se couraient après. Donc maintenant, j'ai appris un petit peu de tout ça et je me dis, effectivement, l'intérêt, c'est d'apporter quelque chose à l'autre. C'est ce qu'on a dit tout au long de cette session. Hein. Si tu donnes, ça va te revenir dessus à un moment ou à un autre. Donc, partager de la valeur, si on est légitime pour le faire, mais moi, je vous encourage tous à le faire. Alors, maintenant, on va revenir à la prospection. Il y a différentes manières de faire de la prospection. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez continuer à faire de la prospection sur laquelle vous allez sur un outil, vous recherchez des prospects, vous faites en sorte de les cibler au mieux et ensuite vous les appelez, vous les demandez en contact et vous faites ça avec beaucoup de souplesse et beaucoup de bienveillance. Hein, ne soyez pas trop bourrin si vous faites ça, d'accord ? Après, il y a d'autres moyens de faire, c'est que vous allez sur LinkedIn par exemple et vous cherchez à vendre quelque chose dans le domaine de la radiologie, hein ? Prenons l'exemple, moi je ne suis pas dans la radiologie, mais ou dans les machines-outils, ou dans le, je sais pas quoi, enfin, l'agriculture, que sais-je. Ben, rien ne vous empêche d'exploiter intelligemment les moteurs de recherche de contenu, hein, ce qu'on appelle du contenu dans LinkedIn, vous voyez. Vous utilisez un mot-clé comme radiologie, moi j'ai fait ça au hasard, hein, puis vous cliquez non pas sur personne, mais sur contenu, et vous regardez ce qui a été publié par différentes personnes dans les précédents jours ou semaines. D'accord ? Et vous pouvez même faire des filtrages pour regarder ce qui a été publié, par exemple, dans la dernière semaine, hein, admettons. Hein.
s'il y a des choses dans la radiologie qui a été publiée dans la dernière semaine. Et ça, rien que de faire ça, ça vous permet de trouver des gens ici, soit les gens qui ont publié quelque chose, soit les gens qui ont fait des commentaires suite à cette publication ici, hein, plein de gens qui sont peut-être intéressés par le sujet de la radiologie ou par le sujet des machines-outils ou par le sujet du coaching de dirigeants ou que sais-je, et d'aller commencer à prendre langue avec eux, ou ça vous permet également, sur un poste tel que celui-ci, d'accord, c'est peut-être pas le bon, ne regardez pas le poste lui-même, hein, mais ça va vous permettre non pas de le partager parce que ça ne servira pas à grand-chose, mais d'aller apporter un commentaire à forte valeur ajoutée ici, dans lequel vous allez montrer toute votre compétence dans le domaine de la radiologie, hein. Vous allez pouvoir vous connecter avec la personne qui a posté, mais vous allez pouvoir aussi trouver des gens qui vont s'intéresser à vous parce qu'ils ont vu que vous étiez vraiment passionné et très compétent dans le domaine de la radiologie. Bon, mais est-ce que vous faites au moins ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que, au lieu de poster des citations de motivation personnelle, des petits chiens qui se battent, ou simplement de repartager « j'ai un job mais je m'en fous » de Michael Aguilar, ou de simplement liker un de mes posts sur le Social Selling Forum ou je ne sais pas quoi, est-ce que vous allez apporter de la valeur dans le domaine où vous avez quelque chose à vendre? D'accord ? Que ça soit la radiologie, que ça soit, je sais pas Muriel, ce que tu vends, mais n'importe, hein, d'accord ? Apportez de la valeur là-dedans, sous forme de commentaires à valeur ajoutée, et connectez-vous avec les gens, là, les Benoît, les machins, etc., les gens qui sont ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est une façon de trouver, avec simplement un moteur de recherche, et c'est pareil sur Twitter, hein. Vous allez trouver plein de choses sur Twitter, si vous préférez Twitter, Facebook aussi, hein, qui est un outil très professionnel, mais rien que sur LinkedIn, il y a de quoi faire. Ouais. Avec la recherche. Après, si vous-même, vous êtes compétent dans votre domaine, eh ben bon sang, à un moment donné, commencez à écrire un post, écrivez quelque chose, et partagez votre expérience, partagez les questions que vous vous posez par rapport au domaine de la radiologie. Hein? C'est votre domaine, vous êtes compétent là-dedans, ben allez-y, exprimez-vous, posez une question aux gens. Vous allez voir que les gens répondent, qu'il y a des gens qui interagissent à partir du moment où, effectivement, comme on l'a vu ce matin, votre profil ne sent pas mauvais, etc., etc., etc. Hein? Voilà. Donc ça aussi, c'est de la prospection possible qui peut être très proactive, parce que le fait de regarder des posts sur un sujet donné comme la radiologie, ça peut être très proactif pour aller trouver des leads, hein, pour aller trouver des prospects, d'accord, avec lesquels on peut discuter. Voilà, voilà une chose très, très, très concrète que vous pouvez faire tout de suite, hein, avec LinkedIn. Tu voulais rajouter, Jean-Paul? Oui, je trouve que ça, c'est une démonstration qui est particulièrement... évidente, tout ne vient pas d'un seul coup. Vous ne passez pas sur LinkedIn de 0 à 2000 contacts du jour au lendemain, et dans l'interaction, vous ne prendrez pas du jour au lendemain le leadership qui vous permettra d'écrire des articles ou de poster 3 trucs par jour. Ce que vient de montrer Loïc, que j'aime bien, c'est qu'il y a une progressivité dans tout ça. Il y a une progression. On commence à regarder, on commence à faire de la veille, et puis un beau jour, on va mettre un petit like. Et puis après, on va s'apercevoir que si on met un commentaire, on aura un peu plus de visibilité. Et puis, si je partage, selon la situation, le partage va me permettre de m'exprimer un petit peu plus, parce que dans l'espace de partage, eh ben, il y a 1300 caractères. Et puis ainsi de suite. C'est comme ça que ça vient. Olivier, je le dis parce que j'écoutais avec intérêt ce qu'il disait tout à l'heure. Olivier, il est un peu frappé du syndrome de la légitimité. Il y a beaucoup de commerciaux qui sont comme ça. Hein. Ça paraît bizarre de le dire, mais il y a des commerciaux qui me disent, moi, je ne prends pas la parole parce que d'abord, je ne sais pas écrire. Et puis deuxièmement, je ne vois pas ce que j'aurais à dire. Alors, ma réponse, c'est de leur dire, mais quand vous êtes en face d'un prospect, vous ne dites rien? Vous n'êtes pas capable d'argumenter, vous n'êtes pas capable de parler de votre société, de ce que vous y faites et de ce que vous y vendez? Bien sûr que si. Donc là, c'est pareil. Vous, à un moment, si vous êtes des spécialistes, je rebondis sur ce que vient de dire Loïc, si vous êtes spécialiste de quelque chose, de la formation pour toi, Olivier, il ne devrait pas normalement te poser de problème de savoir t'exprimer dessus. Alors, autre chose, hein, là, je vous montre un autre exemple. Je veux vendre à la SNCF, je veux vendre à la DSI, à la SNCF, d'accord? Je veux vendre quelque chose dans l'informatique à la SNCF. Ben, je peux utiliser ça, par exemple, le moteur de recherche, très simplement, SNCF and DSI, par exemple, là, c'est la direction des services informatiques, mais ça pourrait être autre chose, et je vais trouver un certain nombre de choses qui ont été écrites, qui ont été partagées, qui ont été commentées par des gens, parmi lesquels je peux, là encore, trouver
des prospects, trouver de quoi discuter, trouver de quoi montrer ma valeur, montrer ma pertinence, montrer ma performance. Hein. Oh, dernière chose, Mathieu a parlé des vidéos qui sont faites pour une certaine société. Il y a quelques années, j'ai vu un excellent commercial qui avait fait la chose suivante. Il avait fait une vidéo à destination de Decathlon pour vendre à Decathlon. D'accord ? Eh bien, il l'a posté en public. Il a posté la vidéo en public. Et il a eu encore beaucoup plus de chances de vendre à Decathlon, mais aussi de vendre à comment il s'appelle, aux concurrents de Decathlon ou à d'autres. D'accord ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu cette vidéo que simplement la personne de Decathlon. Donc, c'est aussi, il y a aussi plein de stratégies de publication en public qui permettent à des gens de se rendre compte que vous avez effectivement une pertinence dans un domaine, même si vous vous adressez spécifiquement au groupe Accor ou à Decathlon ou à je ne sais pas qui ou à transporteur donné à qui vous voulez vendre quelque chose. Hein. Là, tu regardes, tu tapes Geodis ici et puis tu cherches les contenus dans lesquels il y a des gens qui parlent de Geodis. Hein, et puis après, tu peux faire des choses, quoi, si tu as envie de vendre à Geodis. Voilà un exemple. Ouais. Ou hein, va dans les groupes. Des noms de société, etc. Donc, il faut y aller, quoi, en fait. L'un des outils les plus simples à utiliser à très court terme, c'est encore une fois de trouver des contenus intéressants dans votre domaine, par la recherche ou parce que quelqu'un vous a emmené vers ce contenu, et de faire des commentaires à valeur ajoutée pour montrer toute votre pertinence. Et si vous faites des commentaires à valeur ajoutée sur quelqu'un qui recherche par exemple un expert comptable, et si vous êtes vous-même expert comptable, vous avez trouvé un poste dans lequel quelqu'un recherche un expert comptable et vous êtes vous-même expert comptable, et bien ce que vous faites, c'est quoi à votre avis? Tiens, ça c'est un bon exercice. Vous trouvez un poste dans lequel quelqu'un dit je suis une entreprise de fabrication de chaussures et je cherche à remplacer mon cabinet d'expertise comptable, et vous, par chance, vous avez été tagué par quelqu'un, ou alors vous avez trouvé ce poste par chance ou parce que vous avez organisé la chance, comme moi je le fais. Hein. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur ce poste où quelqu'un a exprimé le fait qu'il cherchait justement vos compétences à vous d'expert comptable? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Hein? Voilà, vas-y Anne, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'essaye d'obtenir son numéro de téléphone et de l'appeler pas longtemps après pour pouvoir échanger plus précisément sur ses besoins. Bon, une autre idée, première idée, deuxième idée, allez-y. Moi, je commenterai, Élodie, moi je commenterai directement sur son poste en creusant le besoin. Qu'est-ce qu'il recherche exactement, enfin pour quel besoin, parce qu'en expertise comptable, il y a plusieurs domaines, plusieurs volets. Donc je creuserai vraiment pour montrer l'intérêt sans justement aller tout de suite dans la démarche j'aimerais votre numéro et je vous appelle, même si ouais. Ça sera donnez-moi une troisième réponse ouais. Quelqu'un, vas-y Muriel. Bon, en fait je me connecte et en fait j'essaie de bien cibler son besoin en lui proposant en fait mes services. Je suis en pleine recherche d'emploi, donc je me connecte en fait à cette personne en valorisant en fait ma candidature. Bon, alors moi je vais vous dire ce que moi je fais dans ces cas-là. C'est une combinaison justement de ce que vous dites, mais c'est une combinaison avec quelque chose de plus. D'abord, si j'arrive, qu'on soit bien clair, si j'arrive sur ce poste dans lequel quelqu'un recherche un expert comptable et que je ne suis pas très présent sur LinkedIn, en général, je n'y arrive pas sur ce genre de poste. Je ne les trouve pas en général, d'accord ? C'est ça le problème souvent, c'est qu'on n'arrive pas sur les bons postes. Et pour arriver sur les bons postes, il faut être reconnu par plein de personnes qui sont dans votre réseau comme étant un bon expert comptable, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui vont trouver ce poste par hasard et qui vont vous taguer. D'accord ? Ils vont vous taguer et c'est par la notification que vous allez voir. Ici, regardez mes 73 notifications là. C'est dans cette 73 notifications que je vais trouver le poste de la personne qui cherche un expert comptable et que je ne connais pas encore. On est d'accord ? Je ne connais pas ce fabricant de chaussures. Hein. Je ne suis pas connecté avec lui. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Quand je vais arriver sur son poste grâce au fait que j'ai été tagué, je vais faire trois choses, mais en même temps, hein, trois choses, pas une, trois. Premièrement, je vais faire quatre choses. La première chose, je vais aller voir à fond le profil de cette personne. Je vais aller voir à fond la société dont fait partie cette personne. Je vais comprendre quelle est vraiment la situation de cette société, d'accord ? En quelques minutes, hein, très rapidement, hein, parce que je connais le domaine. Donc, je vais me rendre compte de quel est le contexte. Ensuite, je vais bien lire le poste qui a été fait et je vais me rendre compte que le poste, il est merdique en général. Le gars, il a très mal exprimé son besoin en général. Hein.
dans 90% des cas, c'est je cherche un nouvel expert comptable, on ne sait pas pourquoi, etc. Bon, bref. Donc, je vais faire un commentaire à très forte valeur ajoutée, dans lequel je vais poser des questions du style « Je suis pas sûr d'avoir... Je pense qu'on n'a pas bien compris votre demande. Est-ce que vous pourriez préciser un peu plus votre demande concernant ceci, ceci ou cela ?» Pour tout le monde. Hein. Et je le fais en commentaire public, hein, surtout. En commentaire public. Surtout pas privé. Hein. J'essaie pas de lui envoyer un email ou de l'appeler tout de suite pour lui poser cette question. Je fais un commentaire à valeur ajoutée. Troisième chose, je le demande tout de suite en contact LinkedIn. Évidemment, tout de suite, je le demande en contact, immédiatement, en rapport avec la discussion qui est en train de potentiellement s'établir. Hein. Et quatrième chose que je fais immédiatement, c'est que je l'appelle au téléphone immédiatement. Je n'attends surtout pas de l'appeler avant de l'appeler au téléphone. Alors évidemment, vous allez me dire, je n'ai pas son numéro de téléphone. Eh bien, je me démerde, je le trouve. D'accord ? Parce qu'il a une société, donc il y a un nom de centrale, etc. Donc je l'appelle tout de suite. Je fais ces quatre choses en même temps. Pourquoi je fais ces quatre choses ? La plupart des autres experts comptables, ce qu'ils vont avoir fait, c'est qu'ils vont avoir, ils seront arrivés sur le poste grâce à une recommandation en général. Hein. L'expert comptable arrive sur le poste là. Ouais, j'ai la réponse à vos besoins. Je suis un bon expert comptable. Allez voir mon site web. Vous allez voir. Et puis si vous voulez, on s'appelle. Hein. Ou contactez-moi et je peux répondre à votre besoin. 80% des experts comptables, c'est ce qu'ils vont répondre. Je peux répondre à votre besoin. Il y en a 20% qui vont appeler tout de suite, hein, comme certains, mais qui n'auront rien fait d'autre. D'accord ? Ils n'auront rien fait d'autre que d'appeler tout de suite le prospect. C'est bien aussi d'appeler le prospect, on est d'accord. Hein. La seule chose, c'est que moi, comme j'aurais mis un commentaire à très forte valeur ajoutée, il y a peut-être un autre expert comptable, un autre prospect, ou il y a peut-être quelqu'un qui avait recommandé un autre expert comptable qui demain me recommandera moi. Ou qui demain aura envie de travailler avec moi. Ce ne sera peut-être pas la personne qui a exprimé son besoin, mais ce seront les autres personnes autour qui, par sérendipité, vont se rendre compte que je suis quelqu'un d'intéressant. Et donc, je vais peut-être faire du business, non pas avec la personne qui a exprimé son besoin, mais avec les autres qui, évidemment, sont dans le domaine qui m'intéresse, puisqu'on parle d'expertise comptable. Hein, on est en train de parler de ces sujets-là. Il y a des gens qui interagissent, en général. Ben, c'est ces gens-là qui m'intéressent, moi. Encore plus que la personne qui a posté son besoin. Parce que comme ça, je vais développer mon réseau avec des gens intéressants qui vont me recommander demain pour d'autres besoins d'experts comptables. D'accord ? Et comme moi, je lui ai apporté de la valeur tout de suite avec mon commentaire, contrairement à 80% des autres experts comptables, je vais être beaucoup plus visible également parce que mon commentaire, il va pouvoir être liké par certaines personnes. Certaines personnes vont répondre à mon commentaire et donc je vais me retrouver en haut des commentaires, tout en haut. Des commentaires, ben LinkedIn a un algorithme. Et donc, je vais être beaucoup plus visible que les autres experts comptables qui auront juste dit « Ouais, appelle-moi, quoi. Hein. » Voilà. Donc, c'est ça que je fais. Je fais les quatre choses en même temps. Et ça, ça marche super bien. Hein. Et si par hasard, je tombe sur quelqu'un qui exprime un besoin, mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse aujourd'hui, tout de suite, je me connecte avec cette personne. Hein. Toutes les personnes que je rencontre qui pourraient avoir un besoin un jour, ou qui pourraient, je me connecte avec elles. Voilà, il est 15h12, on va terminer cette session dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore des réflexions ou des questions ? Une dernière question, une dernière réflexion ? Vas-y, Elodie. Alors, j'ai une petite question et je pense que Jean-Paul pourra peut-être m'aider. Je suis tout à fait d'accord avec la démonstration sur le contenu Loïc, etc. Par contre, parfois, on doit cibler des toutes petites entreprises qui n'ont pas le temps d'être sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou en tout cas d'y être vraiment présent. Est-ce que Twitter permet plus facilement de faire ce type de démarche ou comment faire vraiment pour cibler les petites sociétés ou les gens qui n'ont pas forcément le temps d'être sur les réseaux sociaux mais potentiellement qui font partie de notre cible. Alors d'abord c'est Facebook, hein, souvent c'est Facebook qui est un outil extrêmement important pour le B2B, d'accord, contrairement à ce qu'on pense. Et deuxièmement, c'est peut-être que le dirigeant de la PME n'est pas sur LinkedIn, mais le stagiaire, il est peut-être sur LinkedIn, le stagiaire ou l'apprenti, ou celui qui va aider le dirigeant à décider. Et souvent, ce n'est pas le dirigeant qui décide, ce sont des gens qui travaillent pour lui qui décident. Donc, moi, ça ne me dérange pas que les gens ne soient pas sur LinkedIn, du moment qu'il y a des gens dans leur environnement qui vont les conseiller, qui vont chercher les solutions, qui, eux, sont souvent sur LinkedIn. D'accord ? Donc, il ne faut pas se dire, il n'y est pas, donc je ne vais pas sur LinkedIn. Mais ça, si ça se trouve, c'est Facebook qui est la bonne adresse, hein. Et pour certains, ceux qui vendent plutôt des choses un peu très visuelles, etc., ça peut être Instagram. Twitter, c'est plutôt
c'est plus des geeks, d'ailleurs souvent, hein, c'est plus des journalistes, c'est plus des geeks, c'est plus des consultants, c'est plus des gens qui sont un peu techos, je dirais, que le patron de la TPE. Hein. Il sera assez peu sur, il sera plutôt sur Facebook. Enfin, Jean-Paul, si tu veux compléter. Oui, il ne faut pas trop fantasmer sur les TPE et les PME, parce qu'elles, enfin, les TPE surtout, parce qu'elles ont, si elles n'y sont pas, c'est qu'elles n'ont pas le temps d'y être. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans certains métiers, on n'a pas, comme le disait Loïc, s'il n'y a pas un stagiaire et s'il n'y a pas quelqu'un qui attire l'attention de l'employeur sur le sujet, on prêche un peu dans le vide parce qu'il faut presque faire de l'évangélisation sur le digital avant de pouvoir parler de sa propre expertise et de ce qu'on peut apporter à l'entreprise. C'est un peu compliqué. Donc là-dessus, moi, j'ai un peu de réserve. Tout le monde dit, oui, non, mais il y a un énorme réservoir de TPE et PME qui ne sont pas encore sur LinkedIn. Il faut à tout prix aller les chercher. Quand elles doivent arriver, elles arrivent. Si on y va avant, c'est très compliqué. Moi, j'en ai fait l'expérience. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, cela étant, malgré tout, même s'il n'y a que 10% d'agriculteurs, par exemple, ou 20 ou 30, d'ailleurs, ils sont très connectés, d'ailleurs, les agriculteurs, mais qui étaient sur LinkedIn il y a quelques années, tu peux aussi décider que c'est ces 10 ou 20% qui t'intéressent vraiment. Hein. D'accord, oui, oui. Mais à partir du moment où ils y sont, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la peine de dire, comme j'ai 80% qui ne sont pas sur LinkedIn, j'y vais pas. Tu peux te dire, je m'adresse aux 20%. Grégoire, si tu voulais juste faire une dernière phrase pour terminer. Moi, j'ai trouvé les échanges intéressants et merci Loïc, j'ai encore appris des choses. Donc, je suis content. Donc, c'est l'intérêt. Et je pense que je vais rester toute l'après-midi avec vous pour échanger sur tous les autres thèmes. Eh ben, le dernier thème est important. C'est quel contenu, justement, créer et discuter sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait en ligne. Ça, c'est passionnant, ça. C'est tout à fait en ligne avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Parce qu'à un moment donné, il faut montrer sa pertinence. Il faut pouvoir se faire recommander par d'autres personnes parce qu'on est pertinent. On parlait d'expert comptable tout à l'heure, hein. Un expert comptable qui s'exprimerait vraiment de manière régulière sur les réseaux sociaux a plus de chances de se faire recommander par quelqu'un comme moi que quelqu'un qui ne s'exprime jamais, hein, d'accord ? Parce qu'on ne le voit pas. Il ne fait que de la recherche de leads sur Sales Navigator, il est invisible, bon voilà. Ou il appelle les gens directement, ou il les prend en message privé, on ne voit pas ce qu'il écrit. Donc pour moi, il n'existe pas. Hein. Donc je vais arrêter la diffusion en direct. Est-ce que nos amis Audrey de Mello, elle est où Audrey ? Elle est partie. Audrey, où es-tu ? Je suis là. Voilà, et tu es là. Est-ce que Philippe Deliège est revenu déjà ? Ah non, il a dit qu'il avait un problème. Elsa Migo, tu es là ? Elsa ? Johanna Benchimol ? Je suis bien là, vous m'entendez ? Johanna, ah oui, mais montre-toi, Johanna, maintenant. Bonjour, alors, Johanna. Tac. Voilà. Bonjour, voilà, parce que... à toutes bonjour, et à tous. Bonjour, Johanna, ça va ? Bien, merci. Et vous ? Donc, qui est-ce qu'on... Bien. Attendez, alors, je répète, on a qui, là ? Elsa, Audrey et il manque... Elsa, Audrey et Johanna, vous êtes là toutes les trois. Ouais, il manque Philippe. Remontrez-moi votre tête là. Oui, Johanna, elle est là. Ah ben, vous êtes toutes ensemble en plus, vous êtes toutes les trois ensemble, c'est parfait. Je vous vois, donc j'arrête la diffusion et je la reprends.